Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Je suis Émilie, une passionnée des mathématiques. Aujourd'hui, nous allons voir la représentation graphique d'une fonction linéaire. Alors, vous pouvez vous reporter au cours sur les fonctions linéaires disponibles sur netprof.fr. Et donc là, aujourd'hui, nous allons voir particulièrement la représentation graphique avec quand même un petit rappel de définition sur les fonctions linéaires. Alors, qu'est-ce qu'une fonction linéaire? Donc, soit A un nombre donné. La fonction f est dite linéaire si elle fait correspondre à tout nombre x un nombre y tel que y est égal à ax. Donc en fait, a nous est donné, c'est-à-dire que la valeur du a ne va pas changer. On la connaîtra. Alors que la valeur du x et du y va changer. En fait, à chaque fois qu'on va donner une valeur à x, on va calculer une valeur de y. C'est pour ça que nous appelons x une variable. Et a est un nombre donné. On écrit f de x est égal à x. C'est-à-dire, la fonction f, quand elle va agir sur le x, eh ben en fait, elle va le multiplier par a. Alors, quelques exemples de fonctions linéaires. On a f de x égale moins x. Donc là, notre a vaut moins 1. On a g de x égale 1,5x avec a qui égale 1,5. Et notre h de x égale 6 septièmes de x. Donc on voit bien dans ces exemples de fonctions linéaires que le a est fixe. Et donc on va considérer la variable x à qui on va faire prendre différentes valeurs et à laquelle correspondra une valeur g de x ou la h de x ou f de x. En fait, f de x est appelée l'image de x par la fonction f. Donc quand on vous demande de calculer une image, il suffit de multiplier ce nombre par a et on obtient donc l'image f de x. X est appelé l'antécédent de f de x et a est appelé le coefficient directeur de la fonction f. Donc voilà quelques rappels. Et nous allons passer tout de suite à la représentation graphique en chapitre 2. Alors, chapitre 2, représentation graphique. Alors, on va considérer une fonction linéaire f de x égale moins 2x. Donc, on va partir d'un exemple pour voir la représentation graphique. Ce sera plus facile pour vous pour comprendre. Donc, on a dit que x était une variable. Donc, si c'est une variable, ça veut dire qu'on peut lui faire prendre différentes valeurs. Alors, on va faire un tableau, donc ici, où on va mettre sur cette ligne-là la valeur des x et sur cette ligne-là la valeur des f de x correspondant. C'est-à-dire, on va appliquer notre fonction f à x pour obtenir f de x. Donc f de x est l'image, x est l'antécédent. Alors, comme on l'a vu dans le chapitre sur les fonctions linéaires, il suffit de multiplier x par moins 2 pour obtenir f de x. Donc en l'occurrence, moins 3 fois moins 2, moins et moins, ça fait plus, 2 fois 3, 6. Ensuite, moins 2 fois moins 1, moins et moins, ça fait plus, 1 fois 2, 2. Moins 2 fois 0, moins 2 fois 0, ça fait 0. Moins 2 fois 2, ça nous fait moins 4. Et moins 2 fois 4, ça nous fait moins 8. Donc on remarque qu'on a un tableau de proportionnalité, puisqu'on est dans la fonction linéaire. Et donc on passe de la ligne 1 à la ligne 2 en multipliant par moins 2. Ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? On va mettre ces couples de points. Alors, on est d'accord qu'on a ici un couple de points x, f de x. On a le couple moins 3, 6, moins 1, 2, 0, 0, 2, moins 4 et 4, moins 8. Alors, une précision, les nombres que j'ai choisis ici,
sont des nombres tout à fait aléatoires que j'ai choisis, mais on peut choisir n'importe quel nombre. Évidemment, pourquoi j'ai choisi des petits nombres? Pour que ça rentre, hein, dans notre repère. Donc là, nous allons mettre ces couples de points dans un repère. Alors ici, il s'agit d'un repère orthonormé. Hein, donc je vous rappelle ce que c'est un repère orthonormé. C'est un repère dont les axes sont perpendiculaires, d'où ortho. Et normé, c'est-à-dire que l'unité des abscisses et l'unité des ordonnées est la même. Donc on met en abscisse les x, en ordonnée les f de x, et donc on rentre nos couples de points sur ce graphique. Alors le premier point, moins 3, 6. Donc moins 3 en abscisse ici, 6 en ordonnée, on a un point ici. Moins 1, 2. Moins 1, 2. Un autre point ici. 0, 0. Ça c'est... Donc l'origine du repère, pardon. Donc 2, moins 4. Donc 1, 2, moins 4. Et enfin 4 et moins 8. 4, moins 8. Et on se rend compte qu'en reliant ces points, on obtient une droite. Donc, a priori, ce qu'on peut dire de cet exemple, c'est que la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine du repère. Effectivement, dans n'importe quelle fonction linéaire de la forme f de x est égale à ax, on aura toujours f de 0 égale 0. Alors, on remarque aussi que cette droite D passe par le point de coordonnées 1, moins 2. Ça, c'est un point particulier puisque moins 2 correspond à notre coefficient directeur. Donc là, on a une droite d'équation y égale moins 2x. Donc, une fonction linéaire f de x égale moins 2x est représentée par une droite d'équation y égale moins 2x. Donc là, nous sommes partis d'un exemple et dans le chapitre 3, on va énoncer des propriétés. Donc, chapitre 3, propriétés. Donc, de l'exemple que nous avons vu au chapitre 2, découle un certain nombre de propriétés, donc qui sont valables dans tous les cas sur les fonctions linéaires. Donc, tout d'abord, la représentation graphique d'une fonction linéaire f de x égale ax est une droite. Cette droite passe par l'origine du repère et par le point de coordonnées 1a, où a est le coefficient directeur de la fonction f. Pour tracer cette droite, il suffit de prendre les points 0, 0, donc l'origine du repère, et 1a. C'est-à-dire que lorsque nous avons notre équation de droite, donc c'est f de x égale à x, donc ça c'est l'équation, ça c'est la fonction, l'équation de droite c'est donc y égale à x. Ce a nous est donc donné. Eh bien, il suffit de mettre ce point ici, 1a. On a donc un deuxième point qui est l'origine du repère. Et comme il ne nous faut que deux points pour tracer une droite, on peut tout de suite représenter graphiquement cette fonction. Mais inversement, c'est-à-dire que là, par exemple, on a un graphique et on nous demande de trouver l'équation de cette droite. Donc nous, qu'est-ce qu'on voit? Qu'elle passe par l'origine du repère. Ensuite, nous savons que c'est une fonction linéaire. Donc on sait que le point ici d'abscisse 1, lorsqu'il rencontre la courbe, il nous suffit de lire l'ordonnée pour avoir le point A. Donc par simple lecture graphique, on peut définir la fonction linéaire, hein. Donc on regarde l'abscisse 1. On descend ou on monte, ça dépend comment est la courbe, jusqu'à la courbe et on regarde l'ordonnée du point d'intersection de cette courbe avec l'abscisse 1. Là, on voit que c'est moins 2, donc on sait que a égale moins 2. Donc, cette droite a pour coordonnée y égale moins 2x. Donc, la fonction linéaire qui est associée est f de x égale moins 2x. Alors tout de suite, nous allons voir dans un chapitre 4 un exercice.
Alors, nous allons passer au chapitre 4 qui est un exercice donc d'application sur la représentation graphique d'une fonction linéaire. Alors, voici l'énoncé. Lilou, Nadia et Raphaël se baladent au marché quand ils voient un stand de CD de titres en promotion. Ils sont ravis car ils trouvent leurs artistes favoris. Lilou achète 4 CD et paye 6 euros. Nadia achète 9 CD et en a pour 13,5 euros. Raphaël achète 6 CD et règle 9 euros. Donc nous avons un cas pratique, on peut dire, de la vie presque de tous les jours. Alors, première question. Tracez un repère orthonormé avec en abscisse le nombre de CD et en ordonnée le prix des CD. Placez les achats de ces trois amis dans le repère. Deuxième question. Lorsqu'on relie les trois points obtenus, que constate-t-on? Et comment appelle-t-on cette relation? Troisième question. Peut-on définir le prix à payer pour 3 CD achetés? Si oui, quel est-il? Quatrième question. Peut-on connaître le nombre de CD achetés si l'on paye 11,5 euros? Cinquième question. À quel outil mathématique correspond ce graphique? Enfin, la sixième question. Et au fait, quel est donc le prix attractif de chaque CD? Donc voilà, alors sur ce petit cas concret, nous allons donc appliquer notre leçon de mathématiques. Alors tout d'abord, tracer un repère orthonormé avec en abscisse le nombre de CD et en ordonnée le prix des CD. Alors un repère orthonormé, comme on l'a déjà dit, c'est un repère donc, dont les axes sont perpendiculaires et dont l'unité est la même en abscisse et en ordonnée. Alors là, donc au tableau, évidemment, sans quadrillage, hein, c'est beaucoup plus difficile. Mais vous, vous utilisez des feuilles petits carreaux, puisque vous savez que 2 carreaux, c'est 1 cm. Donc, ça peut vous aider, hein, et vous prenez 1 cm égale 1 unité. Maintenant, on peut aussi tracer des droites dans des repères qui sont orthogonaux, mais non normés. Hein, ça, c'est possible aussi. Ça dépend de l'unité, en fait, qu'on a sur les axes. Donc là, en l'occurrence, un repère orthonormé nous convient très bien. Alors, il est important quand on résout un exercice de suivre les consignes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit en abscisse le nombre de CD. Donc déjà, on ne se trompe pas, l'abscisse, c'est horizontal. Donc, cet axe horizontal va représenter le nombre de CD. Ensuite, en ordonnée, le prix des CD. Donc, les ordonnées, c'est donc l'axe vertical. Donc ici, nous avons le prix des CD. Alors, comme un nombre de CD et un prix ne peut pas être négatif, nous n'avons pas besoin, finalement, de cette partie-là de l'axe, ni de celle-ci. Dans ce genre de cas particulier, on peut se contenter, voilà, d'un repère de ce type. Alors ensuite, placer les achats de ces trois amis dans le repère. Donc, on nous a dit quoi ? En abscisse, on a le nombre de CD. Donc, Lilou, elle achète 4 CD. Donc déjà, on sait qu'ici, on peut noter 4. Elle paye 6 euros. Donc ici, on a 6 euros en ordonnée. Donc, au croisement de ces deux lignes, on a donc le point de coordonnées 4, 6, qui correspond donc à l'achat de Lilou. Donc, on peut appeler ce point le point L pour Lilou. Ensuite, Nadia achète 9 CD et en a pour 13,5 euros. Donc, sur notre repère, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK. On trace et avec le point de rencontre de 13,5 euros, puisque c'est ce qu'elle a payé. Et au point de rencontre de ces deux lignes, nous avons ici le point N pour Nadia. Enfin, Raphaël, lui, achète 6 CD et règle 9 euros. Donc lui, le point de coordonnées pour Raphaël est 6 et 9. Donc ici, nous avons le point de Raphaël. Donc voici pour la première question. Donc lorsqu'on relie les trois points obtenus, que constate-t-on et comment appelle-t-on cette relation? Alors, on relie ensuite les points. Donc moi, je l'ai fait à l'avance, évidemment, pour une question de pratique. Hein? Donc là, on relie ces trois points. Et qu'est-ce qu'on constate? Que déjà, ils forment une droite et qu'ils passent par l'origine du repère.
Donc, quel est ce genre de relation? C'est une relation de proportionnalité. Hein, ça, nous l'avons déjà vu dans d'autres chapitres. C'est une relation de proportionnalité. Ensuite, question 3. Peut-on définir le prix à payer pour 3 CD achetés? Oui, on peut très bien, puisqu'on sait que comme c'est une relation de proportionnalité, donc il suffit que l'on regarde ici le nombre de CD et on aura directement le prix à payer. Donc lorsque l'on prend le point d'abscisse 3, hop, cette ligne interfère la courbe, on regarde l'ordonnée et ici on obtient 4,5. Donc pour 3 CD, il nous faut payer 4,5 euros. Ensuite, peut-on connaître le nombre de CD achetés si l'on paye 11,5 euros? Donc ça, c'est la question inversée. C'est-à-dire que là, on part du prix payé. Donc 11,5, 9, 10, 11, 11,5, c'est ici. Pareil, on regarde quand est-ce que ça rejoint la courbe. Ça rejoint la courbe ici en abscisse égale 7. Donc on sait que lorsque l'on paye 11,5 euros, on a acheté 7 CD. Et ainsi de suite. Donc en fait, ce graphique va nous permettre à chaque fois d'avoir une relation, tout simplement, entre le nombre de CD et le prix des CD, qui est une relation de proportionnalité. Donc c'est-à-dire que nous allons multiplier à chaque fois par le même nombre l'abscisse pour obtenir l'ordonnée. Et donc, à quel outil mathématique correspond ce graphique? Mais ça, je sais que vous l'avez tous sur le bout de la langue, c'est évidemment la fonction linéaire. Hein? Donc là, on pense évidemment tout de suite à une fonction linéaire, puisqu'on a une droite qui passe par l'origine du repère. Et en plus, c'est une relation de proportionnalité. Donc c'est une fonction linéaire. Donc ce graphique correspond à une fonction linéaire. Et au fait, quel est donc le prix attractif de chaque CD? Alors nous, on sait qu'une fonction linéaire est de la forme f2x égale ax. Et on sait que le point A est défini par un A qui est un point de la courbe. Hein, ça, nous l'avons vu plus haut. Donc le point 1A appartient à notre courbe qui représente notre fonction linéaire. Donc là, il suffit que nous allions en abscisse 1. On remonte jusqu'à la courbe. Et ici, on voit que l'ordonnée de ce point est 1,5. Donc notre fonction f de x égale 1,5x. Alors attention, comme on est dans un cas concret, il faut que l'on répondre par une phrase. Donc, quel est donc le prix si attractif de chaque CD? Le prix de chaque CD est de 1,5 euros. Donc, effectivement, c'était une super promotion. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.